Allô! Donc, aujourd'hui, c'est le grand jour. Je m'en vais faire mes vraies dents. Là, j'ai mes temporaires, qu'on appelle. Puis, moi, j'appelle ça un dentier. C'est... Il y en a, là, qui ont payé pour avoir des dents de même. Moi, pour ma part, je trouve ça vraiment laid, OK? On dirait un pantin. Non, mais pour vrai, c'est vraiment pas mon genre. J'ai demandé que ça soit 100% naturel. Que même moi, je me rends compte pas que j'ai des faux dents. Ça l'a taché ici. C'est en composite. Là, moi, je m'en vais me faire en porcelaine. Fait qu'on va aller voir. Oh, j'ai hâte, mais en même temps, je suis tellement stressée. J'ai un gros mal de tête parce que ça fait mal. Ça fait mal, hein? J'espère que ça va être moins long que la dernière fois aujourd'hui. La dernière fois, ça a comme duré 2 heures. Là, je pense qu'il faut juste ôter puis m'y mettre, mais... En tout cas, donc, souhaitez-moi bonne chance. J'ai vraiment hâte de vous montrer le résultat. Bon, on va geler le haut. J'ai l'air de Daffy Duck. Oh my God! J'ai l'air de Jean Charest. Tu sais, là, Jean Charest est de même. Yup. Ouais, premier ministre du Canada. Tout fabuleux à la naissance. La beauté est naturelle. All natural. Oh. Tu sais, quand c'est fabuleux comme ça, c'est pas donné à tout le monde, hein? Ah, moi, je suis née comme ça, hein? Oh my God, je vais vous les montrer, parce que je suis gelée, hein? Vous voyez comment je suis bien gelée. Fait que, ouais, pour ça, je veux le voir déjà. parce que c'est vraiment un long processus. Puis, je sens comme bien physique. Pour l'instant, je vais attendre de dégeler. Puis, j'ai un photo shoot. Un photo shoot demain. J'espère que je vais être plus belle que ça. Là, je suis en train de dégeler. Je fais le mieux. Mais le résultat, vous voyez, c'est bien plus blanc. C'est plus naturel. C'est bien plus blanc. Wow! Wow! Vous voyez le changement? Wow! Wow! Je suis vraiment contente. J'ai des craques de dents. C'est fou des dents de grand-père, là, tu sais. Ma gencive est quand même fracturée. What the fuck? Pas fracturée, mais quand travaillée. Mais ça va se mouler avec le temps. Ouais! Oh my God! Je m'efforce pour vous. Oh, je suis beau de rire. Ça m'a coûté. La vérité, c'était 26 000. 26 000, c'est vraiment beaucoup d'argent. Sinon, il y a des paiements. Je l'expliquerai une autre fois, là. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous expliquer tout en détail dans quelques jours, quand ça va être dégelé. C'était tout. Me voici. Après un an, ça fait déjà un an que j'ai fait mes dents. Cookie! Salut! Je voulais vous parler finalement. Ils m'ont vraiment comme toutes scié les dents. J'avais vraiment des dents de requin. Et ben c'est ça, ça fait terriblement mal. Je vous le cacherai pas que c'était vraiment une procédure très douloureuse, même si on est gelé. J'haïs ça aller au dentiste, donc vous comprenez. Puis c'est ça, c'était terriblement douloureux. Je sais que ailleurs ça peut coûter jusqu'à 10 000, 7 000. Donc vous sauvez vraiment en argent, sauf que ça peut ne pas paraître naturel. Ça peut être très 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 fake. Ça peut être des chiclettes en... T'as l'air carrément d'avoir un dentier. Moi, j'aime vraiment pas ça ailleurs, mais il y a des ailleurs qui ont
plus d'allure que d'autres. Donc, dans un autre pays, je le recommande pas parce que c'est une procédure très, très douloureuse, comme j'ai dit. Ça peut avoir un résultat vraiment pas comme que vous voulez. Puis, c'est ça, j'ai eu des fausses, un faux dentier pendant presque un mois, même deux mois, je sais pas, je m'en rappelle plus. Mais c'était vraiment des dents pour pas avoir mes dents de requin pendant deux mois. Puis commander mes vraies dents. Donc ceux-là, je les ai depuis un an. J'aimerais vous dire que je ne regrette pas. Je suis très, très contente. Donc, vous avez vu le avant-après qui est très, très percutant. Ben, en tout cas, moi, je trouve que y a beaucoup de monde qui me disent « Ah, t'étais mieux avec tes dents d'avant. » Mais je trouve que ça fait tellement une différence au visage. Des dents blanches et droites. Donc, j'ai vraiment fait toutes mes dents. Tu sais, il y en a là qui font jusqu'ici. Moi, j'ai fait vraiment les 20 dents. 20 dents. J'ai demandé pour 20 dents. Non, 22. Est-ce qu'on en a combien de dents? Ben, je pense que j'ai demandé 10 en haut, 10 en bas. Vous pouvez faire moins que ça. Vous pouvez faire 6 en haut, 6 en bas. Moi, je recommande vraiment 8 en haut, peut-être 6 en bas. Ça coûte vraiment moins cher parce qu'on s'entend que c'est environ 1500 là-dedans. C'est pas donné. C'est vraiment, vraiment dispendieux. Mais je suis très, très contente et satisfaite de l'avoir faite à Montréal avec le Dr. Wisdom, la clinique Dr. Wisdom. Je suis juste vraiment satisfaite. Vous pouvez voir le résultat. Hey, j'ai ma vieille carie, là. J'ai des foules de belles dents à 26 000 $ et la fille, elle reste avec sa vieille carie. Vous pouvez voir, c'est très naturel. J'ai pas pris la teinte la plus blanche parce que je voulais que ça fasse naturel. Puis j'ai pris aussi un dégradé. Vous pouvez voir qu'il y a une transparence. Ça fait pas trop blanc. C'est ça, ça fait pas opaque. Ça a vraiment été un point culminant pour moi de demander très naturel. Puis des canines pointues. Donc, vous pouvez voir que ici, c'est plus pointu. Ici aussi. Pour avoir des belles dents, la procédure, moi, je pensais que c'était comme... Si les dents, t'as ton dentier, puis après, on s'en fout. Ça fait mal deux mois, puis... C'est tout. Moi, j'ai eu beaucoup de douleurs avec le chaud-froid. Juste prendre un café ou de prendre une crème glacée, ça me fait encore mal. Mes dents sont rendues hyper sensibles. C'est beaucoup moins difficile qu'avant. Avant, je faisais juste ouvrir la bouche, puis le vent qui passait sur mes dents me faisait terriblement mal. Ça a été très dur de passer au travers de ça. C'est pas une procédure à apprendre à la légère. Donc, c'est pour ça que je conseille fortement de pas les faire ailleurs. J'ai vu des horreurs. Une fille qui a perdu toutes ses dents, qui a fait une infection, que le dentiste y a été sur son nerf. Dès que tu prends le nerf de la dent, ça te fait mal à vie. C'est pour vrai, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Puis on se dit tout, oh, c'est comme, je vais avoir mal, ça va passer, ou c'est vraiment moins cher, donc je vais sauver tellement d'argent, mais tu te ramasses avec plus de dents dans la gueule. Ou avec un énorme dentier, super pas beau, puis tout le monde était comme, oh, c'était vraiment mieux avant. Je peux vous dire que c'est encore un peu sensible, mais vraiment moins pire qu'avant. Puis c'est ça, ça m'a pris quand même un bon 6 mois à ne plus sentir la douleur de mes dents qui étaient super sensibles. Voilà! Donc, je vous remets des photos avant-après. Je suis super contente. Puis j'espère que vous aussi, un jour, peut-être, vous allez avoir l'argent et le temps pour faire toute cette procédure-là. Dans toutes mes chirurgies esthétiques, c'est de loin ma procédure préférée. Ça a changé tout mon visage. Quand je me mets du rouge à lèvres, je suis contente, j'ai pas peur de sourire, ça a complètement changé ma vie. Avant, je photoshopais mes dents. Là, j'ai plus besoin des blanchir non plus. Et ça m'apporte vraiment une grande confiance en moi. Donc voilà.
merci de m'avoir écouté et j'espère que cela vous a fait réfléchir et que vous allez peut-être avoir des nouvelles dents pour 2024. Merci. Bye.